que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais vous faire de temps en temps des petits vlogs journaliers comme ça. Même si aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que c'est un vlog journalier sans être vraiment un vlog. C'est plutôt un petit haul. Et je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait ce week-end parce que je n'ai pas filmé en fait de la journée. Et là il doit être 6h30 donc clairement il n'y aura pas grand chose à filmer ce soir. Là je suis en train de garder mon petit frère parce que ce soir c'est l'anniversaire de ma maman. Qui fait 45 ans aujourd'hui, le 8 juillet. Donc voilà, je lui souhaite encore un bon anniversaire, même si je lui ai déjà dit. Et du coup, elle va au restaurant avec mon père. Donc je garde Jordan à la maison et voilà, on vient juste dans l'entrée du week-end. On a passé tout le week-end chez mes beaux-parents. Enfin, depuis vendredi même, on y est allé. Donc on a profité de la piscine. Voilà. Hier, moi, j'ai fait une session shopping avec ma belle-sœur à Nîmes. Du coup, je suis passée à Action et puis à d'autres magasins, c'est ce que je vais vous montrer. Et hier et aujourd'hui, du coup, on est allé chez une autre belle-sœur qui habite aux alentours de Nîmes. J'ai trois belles-sœurs pour ceux qui se poseraient la question. Et du coup, on est allé manger, enfin, on est allé goûter là-bas. On a profité de la piscine aussi parce qu'ils ont aussi la piscine. Quelle chance. Et voilà, et du coup après on est rentré, voilà. Là je vais ranger les affaires du week-end, faire mes machines tout ça, mais je voulais vous montrer rapidement ce qu'on a acheté. Donc voilà, ça ce sera un vlog haul. Mais ce sera pas toujours comme ça. Voilà, vous inquiétez pas. J'ai un truc sur la tête. D'ailleurs il est très mamie et je suis pas du tout coiffée, donc ne faites pas du tout attention. C'est un petit bandeau que j'ai trouvé chez Camailleux. Ça fait un moment que j'en voulais un, j'ai bien aimé la couleur, il était à 50%, 4 € le 8, donc je l'ai pris. Voilà. Ce petit haut, je l'ai pas acheté aujourd'hui, hein, vous l'aurez vu dans mon haut haul solde. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets en bas. J'ai pris à Zara, c'est un outil tout simple, un t-shirt jaune moutarde que j'aime beaucoup. Vous voyez un petit peu comment ça rend, voilà, c'est tout simple. C'est vraiment, j'ai été super à l'aise aujourd'hui, j'aime bien être comme ça, voilà, tout simplement. Au niveau des achats, alors, d'abord, ma maman a acheté ça, donc je vous montre parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Aaron, il est à fond dans sa période Lego Duplo. Et ma mère a trouvé ça à Toy Russ, donc à Saint-Jean-de-Védas, voilà, je sais plus. Non, c'est là, je dis n'importe quoi, la Tupérole. Et c'était à 50%, je crois qu'elle a payé 13 € le 25, je sais pas que je me trompe pas, mais bon, c'était super intéressant. Il est trop beau, Aaron, il l'a ouvert, il adore, il joue avec, il s'éclate. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez peut-être en trouver. Ensuite, je suis passée à Sephora et j'ai acheté ceci. Donc ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi je suis pas très fan de fond de teint, je mets toujours de la CC crème et voilà, ça suffit, encore l'été je mets rien en fait. Et là j'en avais presque plus de la mienne et j'ai vu ça, donc c'était intéressant, donc c'était moins 70%, donc en fait ils sont trop bas, c'était moins 50, parce que là, vous allez voir, elle est là, donc c'est moins 50 et pas moins 70. Donc c'était 8,45 € au lieu de 17 €. Et en fait, il y avait moins 30% en plus des soldes. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc ça m'a coûté 5 € en fait chacune. J'en ai eu pour 10 € les deux. C'est des petites contenances, mais clairement j'en aurais largement assez en sachant que voilà, il y a deux. Il y a la bébé crème et la CC crème. Donc je suis très contente. J'en ai pour un moment et ça m'a coûté 10 €. Voilà. C'est pas tous les Sephora, mais en tout cas le Sephora de Nîmes. En tout cas, un des Sephora de Nîmes, hein, celui du centre commercial où il y a plein de magasins. Je crois que c'est un Carrefour, un géant. Je crois que c'est un géant. Mais il y avait 30% en plus. Je vais terminer par Action. Ensuite, je suis passée à Claire's. Donc, c'était les 3 articles à 5 €. Donc, moi, j'en ai eu pour 10 €. Bon, oui, ça fait cher, vous allez me dire. Mais bon, voilà, j'ai vraiment craqué sur les petits nœuds. Vous savez, j'aime beaucoup en mettre dans les cheveux de Kayla. Et voilà, c'est des petites pinces qui sont vraiment plutôt pas mal. Donc, j'en ai pris un rose pastel, un noir et un bordeaux que je trouve. Pas bordeaux, mais rouge un peu comme ça. Vous voyez, magnifique. Et voilà, du coup c'est ça qui m'a fait craquer. Puis je voulais ramener un cadeau pour Kayla, du coup j'ai pris ça, c'est dans des pochettes surprises en fait. C'est des Num Nums, mais un peu spécial dessous. Vous les ouvrez, donc là elle a un petit vernis, trop mignon. Et là elle a un petit gloss, qui est caché aussi pareil, qui a aussi une tête d'un truc, d'un petit animal. Et c'est trop chou, et un petit gloss rose pailleté, très discret. Voilà, c'était ses deux petits cadeaux, elle était contente. Et en plus j'en ai profité pour lui prendre cette petite paire avec du zirconium et en argent. Voilà, parce que Kayla passe son temps à me perdre ses boucles d'oreilles. Et j'en ai un peu marre de lui mettre de l'or et qu'elle me les perde. Donc voilà, on va lui mettre de l'argent, on verra si ça lui, si elle le supporte bien. Donc voilà, j'en ai eu tout ça pour 10 €. Donc franchement c'est pas donné, mais je suis très contente. Et parce que voilà, les gros nœuds comme ça on en trouve pas partout. Donc bon, j'en ai profité. Et ensuite elle a eu ceci, donc ça c'est de ma belle-sœur qui a profité d'une promo qu'il y avait dans le magasin. C'était 3 achetés 3 gratuits, mais sur tout le magasin, pas sur les produits soldés. Donc c'était intéressant et elle en a profité pour prendre des élastiques et des pinces à sa fille. Et elle a fait un cadeau à Kayla du coup de ses petites pinces licornes qui sont juste trop craquantes. Et normalement celle-ci c'était 6 € le paquet, donc c'est quand même pas donné, hein. Mais bon voilà, elles sont trop belles. Voilà pour Claire's. Je suis passée à H&M, ça c'est tout froissé, mais c'est pas grave.
Voilà. Donc j'ai repris ces petits bodys, je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai acheté il n'y a pas très très longtemps, donc là j'en ai repris parce que pour cet automne, ben, il m'en manquait. Alors c'est du 1-2 ans, il me faut du 3 ans, mais H&M ça taille hyper hyper grand, donc ça lui ira parfaitement. J'ai pris deux lots, c'était 4 euros le lot des deux bodys, donc ça faisait 2 euros le body, et franchement les bodys d'H&M ils ne bougent pas, donc voilà, je suis très contente. Et moi je me suis pris un petit haut. Alors j'essaierai de vous faire un petit plan porté parce que là ça va vraiment rien donner. Voilà. Je vous montre comme ça, je vais vous faire un plan porté. C'est un petit haut noir avec des petites fleurs roses et rouges. C'est un haut pour l'automne, là c'est un manche long, mais bon. Il était à 1,99€ au lieu de 9,99€, donc j'en ai profité, je l'ai pris. Et il reste un achat Frank, c'est pareil, que j'ai pris dans une petite boutique à côté du Kiabi de Nîmes. En fait il y avait un magasin, je sais pas, avec des fringues, mais je pourrais pas vous dire le nom. Hop, je sais pas s'il y a l'étiquette. Et je me suis pris une petite combi, donc je vais pas la déplier, je vais vous faire un petit peu en portée. Ça fait un moment que je voulais une petite combi comme ça, et voilà, celle-ci je trouve qu'elle me va bien, donc je suis très contente. Elle est en promo à 15€, donc j'en ai profité aussi. Oui, mais vous ne rêvez pas, je me suis mis par terre pour vous présenter les trucs parce que franchement ça aurait été un peu compliqué. J'ai le ticket de caisse, comme ça je vais vous donner tous les prix. Donc j'ai pris des petites choses pour les enfants et des petites choses pour moi. Donc j'ai pris d'abord ce petit kit avec des petites pièces et des petits faux billets qui était à 59 centimes, voilà, pour jouer à la marchande et tout, c'est juste génial. Ensuite ce petit appareil photo à 99 centimes et il est juste top. Donc bon, déjà comme tous les appareils photo jouets de bébé, vous mettez l'œil là, vous avez des images qui défilent. Mais en plus il y a une particularité, c'est qu'il s'allume, voilà, vous le verrez pas, mais du coup il fait, ah si vous le verrez un petit peu, il fait vidéo projecteur des images, et du coup ça change, ça change. Donc là ça se voit pas très bien, mais dans la nuit ça se voit super bien, franchement pour 99 centimes c'est un super beau cadeau à rendre, il a adoré adoré. Ensuite ben, pour aller à la plage, j'ai pris cette grande pelle qui était à combien elle était la pelle, 99 centimes aussi. J'ai pris ce petit set aussi de moules pour faire des glaces dans le sable à 59 centimes. J'ai pris ce petit kit pour faire des perles à repasser avec les princesses. Donc il y a les trucs pour faire les porte-clés, il y a les moules, enfin il y a les dessins pour faire la forme, les perles. Enfin il est complet, donc vraiment c'était intéressant. Et il y avait d'autres, il y avait My Little Pony, il n'y avait pas de patrouille. Et c'était 3,99€, donc voilà, Kayla était ravie, elle a qu'une hâte, c'est de le faire. Et ensuite j'ai pris ça aussi pour bébé Aaron, c'était 1,44€. Et c'est une petite boîte en fait en forme de la voiture de Kayla, je crois. C'est pour mettre les stylos ou les feutres, du coup je vais mettre ses petits feutres dedans, mais il a juste adoré, Aaron, ses passions, voiture, moto, tout ce que vous voulez. Voilà pour ce qui en est des enfants. Et ensuite, ce que je me suis pris pour moi, je vais vous donner un petit peu les prix. Donc il y a l'agenda, donc ça c'est celui-ci je pense, il était à 1,79€. Et celui-ci était à 1,99€, donc c'est pas du tout la même format en fait. Celui-ci, bon, déjà il est très joli, mais là il est, les jours sont notés, vous voyez, voilà, les jours... Oui, voilà. Là, les jours sont notés. Et là, c'est un carnet, en fait, il est hyper beau. Il est rose gold, il est juste magnifique. Mais il n'y a rien de noté. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire différentes choses. Donc, ça va être mon cahier de listes. Avec, parce que je fais toujours 10 milliards de listes. Je pense que je vais faire ça, liste des rêves, etc. Des objectifs. Et ça va être mon petit livre, mon livre des pensées en fait. Parce que je voudrais essayer de noter tous les jours des choses positives sur mes journées qui se sont passées. Et là ça m'éviterait en fait d'avoir les dates à noter en plus. Donc voilà, je me dis que ça serait sympa. Ensuite j'ai pris ce petit kit là. Je ne vous les ai jamais testés, c'était pas cher, mais j'ai autant en profiter. C'était 99 centimes. Et c'est des marqueurs du coup argentés et dorés. Et ensuite j'ai pris des genres de petits stylos noirs. Moi j'en ai déjà d'une marque hyper connue, je me rappelle plus, mais voilà. Mais je me suis dit que je risque de tomber en rade, alors autant en avoir en dépannage. Donc c'est des petits feutres à différentes épaisseurs. On verra bien pour 99 centimes. Je dis que ça valait la peine de tester. Et ensuite j'ai pris ce kit. J'étais trop contente, c'était le dernier. Bon après je sais pas ce qu'il va, peut-être qu'ils sont nuls, mais bon. Il m'inspirait confiance, donc c'est des petits feutres, vous savez, qui font, enfin feutres, oui, des histoires de stylo feutres, qui font double embout, donc épais et fin. Donc moi j'ai pris des teintes plutôt pastel, rose, violet, bleu, voilà, des teintes que j'utilise assez régulièrement. Voilà, on verra bien ce que ça donne. C'était 3,99€, donc voilà, vraiment intéressant. Il y avait d'autres couleurs aussi, mais moi c'était vraiment celui-ci qui m'intéressait. Voilà, et donc en tout pour mon petit haul sol, j'en ai eu pour 18€, donc plus que raisonnable. Donc voilà, c'est tout pour mes achats d'hier. Je vais aller ranger mes affaires, m'occuper du repas, m'occuper des enfants, et on se retrouve peut-être tout à l'heure. Ça aussi, ça fait de la soupe. Donc voilà, c'est le moment du repas pour les enfants. Donc ouais, ce soir c'est du vite fait, un nugget frites. C'est pas beau ça. Mais bon, moi tout le monde mange, tout le monde est content. Tu peux le faire, regarde. C'est waouh, super, hein. Nickel. Il est bon cuisinier, moi. Ah, t'es un bon cuisinier, ah oui. Hein. T'es une bonne sauce à toi aussi, hein, c'est pareil. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle fait, Kayla? Elle mange. Elle mange? Toi aussi, tu manges? Non. Tu manges pas? Ah, tu bois. D'accord. Bon, voilà.
Puis après, on va se regarder un petit film. Re-coucou les amis, je vous retrouve pour clôturer le vlog de dimanche, lundi matin, comme d'habitude, je vais vous dire. Hier, bon, vous aurez vu rapidement les petits manger, après on a regardé un film avec eux, on s'est régalé. Ma maman est venue récupérer Jordan parce qu'il a pas voulu dormir à la maison. Donc voilà, on l'a pas obligé. Moi ce matin je suis passée au docteur, 40, ça faisait pas mal de jours qu'il faisait beaucoup de sel. Et en fait, ben, 50 surprises, il a une gastro. Encore, parce qu'il a déjà eu plusieurs gastro, si vous nous suivez depuis quelques temps. Mais c'était des vomissements, deux fois ou trois fois, en un mois, je sais plus. Enfin, il en a eu beaucoup. Mais du coup, voilà, il a encore une gastro, mais cette fois, c'est les selles. Donc c'est génial. Donc bon, c'est pas grave, j'ai amené au docteur, il m'a prescrit les médicaments qu'il faut. Voilà, là il est en train de jouer, sinon il est en grande forme, tout va bien. Moi je suis un peu fatiguée, j'ai toujours pas fini de ranger mes affaires, mais je vais m'en occuper tout de suite. Aujourd'hui j'aurai rien de passionnant, donc aujourd'hui je ne vais pas vlogger, mais peut-être demain, je vais voir. Aujourd'hui je dois aller à la bibliothèque ramener les livres, parce que la bibliothèque ferme pendant plusieurs semaines, donc voilà, je vais aller ramener tout ce qu'on a et je vais pas réemprunter. On réempruntera qu'à la rentrée, parce que de toute façon on a de quoi faire à la maison quand même niveau livre. Et cet après-midi, je vais attendre que les chéris rentrent du travail et moi je vais aller ramener au magasin ce qui n'allait pas à Zara, H&M, comme ça je me ferai rembourser et voilà. Enfin, qu'on passera mes achats d'hier. Voilà, donc aujourd'hui ça va être du rangement et puis pas spécialement plus. Voilà, rien de très passionnant. Une journée classique dans une maman. J'aurais voulu sortir, mais franchement, avec voilà, vu que le petit est vraiment pas au top, rien que là le temps d'aller au docteur, il a fait dans sa couche et ça a traversé sa couche. Évidemment, je dois avoir pris de rechange vu que le docteur est juste à côté de chez moi. Je me suis dit, on en a pas pour longtemps. Bon, heureusement, je me suis débrouillée, mais bon, c'est le genre de truc un peu embêtant pour sortir, hein, on est d'accord. Donc aujourd'hui je pense qu'on va rester à la maison, on a des activités à faire avec Kayla, donc on va faire ça. Je vous ai dit que j'allais clôturer le vlog, mais je pense que je vais pas le clôturer, je vais faire un petit combiné comme hier. Vous avez eu que en fait le haul et une minute de séquence avec les petits. Je pense que je vais combiner la journée d'hier avec la journée d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va faire quelques activités avec Kayla, donc je vous montrerai ça. Je pense que ça peut être pas mal, comme ça vous fait un vlog sur deux jours. Bon voilà, on va innover, hein, pour cet été, on va un peu s'adapter, ça va être du freestyle, hein, donc voilà. Si vous voulez pas rater les vidéos, parce que ça ne sortira peut-être pas au même jour que d'habitude, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Voilà, je publierai quand je pourrai publier et quand j'aurai quelque chose à vous publier surtout. Voilà, en sachant que j'ai des vidéos aussi à vous monter, que je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper et que j'ai des millions de papiers à m'occuper aussi. Mais bon, une chose à la fois, je vais aussi planifier ma liste de repas pour mes courses. Voilà, parce que demain je dois aller aux courses normalement. Mais du coup, je sais pas si je vais y aller demain. Alors, en fait, voilà, on se retrouve un petit peu en image avec les activités que je vais faire aujourd'hui avec Kayla. Je sais pas s'il y aura d'autres séquences blabla ou sinon, voilà, je clôturerai le vlog comme ça avec les activités que je vais faire aujourd'hui avec ma puce. Mais dans tous les cas, on se retrouve dans quelques jours pour de nouveaux vlogs. Nous avons un petit bébé qui joue au Lego, Batman. Et cassé. Oh, il y en a partout. Et cassé. Oh, il est cassé. Et du coup Kayla qui fait ses petites perles, donc pour l'astuce, hein, on prend des moules à glaçons donc pour trier les couleurs. Bon, je trouve une petite mallette avec plein de petits trucs comme ça, ce serait pratique pour ses perles. Ça éviterait à chaque fois de tout ressortir, de tout ranger, c'est un peu la prise de tête. Donc là je l'aide à trier les perles et elle a commencé. Elle est en train de nous faire belle, n'est-ce pas ma puce? Voilà, elle travaille fort, moi je regarde des vidéos et je l'aide à trier ses perles. Oui. Et j'aide aussi à rendre à réparer ce petit Lego. Oh, c'est bon. Elle a. Qu'est-ce qu'il y a celui-là? Il est pas cassé celui-là? Tout va bien? Mon Lego, pas de ça! Ouh! C'est ce qu'il m'a.